Vous connaissez bien Lionel, qui a marqué d'ailleurs lors du dernier rassemblement avec les U18. Ouais, tout à fait, il a participé à sa deuxième sélection, un des deux buts qui nous a donné cette victoire. Allez, attention à la première incursion de Mohamed Alarouche. Lors du tour précédent, Alarouche sur le côté. Allez, Mohamed Alarouche qui va repartir de l'arrière à la transversale. Allez, attention, il y a du monde dans la surface. Ouais, très bon tacle défensif de Mohamed Alarouche. Belle couverture de Brighton Fougueux. Et là, attention, ça peut aller vite avec Mohamed Alarouche. Alarouche en 1 contre 1. On connaît sa qualité individuelle. Ah, ça s'est bien joué pour rejouer avec Brighton Fougueux. La force ce sera la force des Lyonnais pour pouvoir le toucher côté gauche et de pouvoir... De ce corner. Ah, c'est bien tiré. Au deuxième poteau, attention. Ça très rapide qui va peut-être... un petit peu réveillé les Lyonnais, même si sur ces 10 premières minutes, hein, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Les Troyens qui ont été réalistes. Et en tout cas, Mohamed Alarouche qui est tout de suite reparti pour essayer de faire la différence. Et justement, pas exception. Allez, le décalage, encore une fois, vers Alarouche qu'on voit beaucoup pour l'instant. Allez, la justesse technique de Mohamed Alarouche qui va décaler ensuite Hugo. Stanislaga le contrôle, ça s'est bien joué. Oh, superbe. Ah, dommage, on avait essayé de trouver... Mohamed Alarouche. Ah, le bon travail défensif d'Alarouche. Faute sifflée. Mais on panique pas côté Troyen et on repart tranquillement. Et trois attaquants troyens qui sont capables de prendre la profondeur à tout moment quand la sentinelle m'a de pouvoir avoir un temps de préparation parce que le jeune Yanis est un peu isolé devant. Voilà, il faut faire. Allez, Alarouche. Voilà, avoir des solutions sur la largeur et pouvoir combiner sur les côtés avec Hugo. Et on sait hein, évidemment que Alarouche les tire très bien. Allez, Mohamed Alarouche au deuxième poteau encore une fois. Où il y avait beaucoup de monde. Attention, la perte de balle. Cette perte de balle. Alarouche. Rejouer avec De Gors. Et Alarouche encore lui omniprésent pour l'instant. Ouais, ça s'est bien joué vers Marcin. Qui peut déquiller. Superbe. Oui, attention, ça revient sur Yanis Laga. Et cette fois, Mohamed Alarouche, la frappe du pied gauche. De 20 à 25 mètres. Donc, il faut pouvoir contourner ce bloc en préparant un peu plus côté. Ouais, faute sifflée sur Mohamed Alarouche dans sa chambre. Et qui va pouvoir tirer. C'est dommage, au premier poteau. Passer au-dessus du premier rideau. Retour de coup franc, attention. Ah ouais, là on va pouvoir le retrouver. Il va pouvoir se mettre sur son pied droit et centrer. C'est bien joué, c'est rentrant. Oh, le poteau. Et ensuite. Une touche récupérée par les Lyonnais. Amine Alaïd qui a su trouver Gwendal De Gors. On a rejoué avec Mohamed Alarouche. Attention, la perte de. Pour récupérer le ballon, Marcin qui va pouvoir jouer vers Alarouche. Qui est trouvé avec sa vivacité en 1 contre 1. Ah, ça glisse encore. Allez, Mamadou Sarr. Ouais, ça c'est bien joué. Alarouche qui demande le ballon un petit peu plus bas et qui va ensuite pouvoir essayer de trouver Brighton Fougueux. Essayer de trouver les grands gabarits avec Papé Führer, le ballon. Islaga était très bien cadré. Ouais, pour l'instant, Islaga évidemment un poison, même s'il n'a pas réussi à convertir ses quelques occasions. Mais attention, parce que les Lyonnais là, on les sent un peu mieux. Allez, la faute, sifflé évidemment sur Mohamed Alarouche. Il y a du monde dans la surface. Ah, Alarouche s'est bien tiré encore une fois. Ah, oh, et l'égalisation de Mamadou Sarr. Gagnons 1 contre 1. Oh, quel arrêt. Attention, parce que Mohamed Alarouche qui peut récupérer le ballon. Oh, et pénalty. Pénalty sur cette faute de Mohamed Alarouche. Ouais, avec Mamadou Sarr, Alarouche de nouveau qui va pas. Vogel. Ouais, très très bien joué. Ah, et puis c'est très propre à chaque fois hein, dans ses passes, ses centres. Vraiment une belle qualité ce Hugo Vogel. Allez, Alarouche. De nouveau, Alarouche. Ouais. Alarouche, de nouveau, encore une fois. Et c'est encore une fois bien tiré. Ouais, superbe. Alors, qui va pouvoir récupérer et rejouer avec Mohamed Alarouche. Qui va peut-être temporiser. Non, toujours cette. Allez, Mohamed Alarouche, peut-être pour le dernier corner. Oh là là, c'est passé devant tout le monde. Pour des joueurs qui viennent régulièrement en sélection. Ouais, allez, attention, justement, Alarouche. Lui qui vient. Allez, Alaï. Allez, ça c'est bien joué. Voilà, première
Ouais, là, il y a faute. Et encore une fois, la belle lecture de jeu hein, de ouais. Mathieu Patouillet. Ouais, qui reste concentré, puis intéressant et qui fait une bonne relance puisque ça va peut-être permettre aux Lyonnais de se créer une occasion de but, malheureusement. Ouais, on va retrouver Sako. Hop là. Ouais, il y avait une faute. Deux coéquipiers de l'équipe de France U18 là, qui sont en pleine forme. Et ça prouve, oh, attention quand même, avec El Arouche, il y a Yanis Laga en retrait, il l'a vu. El Arouche qui va temporiser. Allez, on a un contre un qui va pouvoir rejouer. Et Mohamed El Arouche. Voilà, c'est tiré encore une fois. Brighton fougueux. Il obtient un coup franc décisif, il obtient un corner décisif. Donc voilà, ça c'est des joueurs qui sont compétiteurs et qui veulent faire gagner leur équipe. Donc félicitations à Mohamed qui encore le montre sur cette action. Ouais, de nouveau El Arouche évidemment en un contre un et il va récupérer le corner. De nouveau à ce corner. Allez, El Arouche de nouveau, cette fois c'est au premier poteau. Allez, se charger de ce corner, attention. C'est reparti cette fois un petit peu plus au deuxième poteau. En tout cas, voilà. El Arouche, voilà, il a été trouvé. Allez, il va se remettre sur son pied droit. Retrouver... Allez, El Arouche, encore une fois. Ouais, la conservation dans les petits... Ouais, encore une fois, De Gors avec El Arouche. Et De Gors qui va demander le ballon, le superbe effort. Ah, dommage, la passe un petit peu Molasson. Ensuite, la couverture de Rudy Cohon. Allez, El Arouche qui va récupérer le ballon. Mohamed El Arouche qui va se précipiter devant le but. El Arouche. Ah, il a perdu le ballon. Il a essayé de temps fait pour gagner du temps et puis conserver le ballon et peut-être mettre un quatrième but. Patouillet, gardien qui rejoue avec son défenseur. Et voilà. Trouver le joueur un peu plus haut dans la médiane. Qui reprépare et on franchit la médiane. Et voilà, la récupération. Allez, de nouveau El Arouche. Il a été trouvé sur le côté en 1 contre 1. Ouais, on avait essayé de... Albi. Ouais, c'est bien joué ça, avec El Arouche. De nouveau. Ah, il est frère, il y a Talbi, il vient de rentrer encore une fois avec El Arouche. Allez, Gwendal De Gors, de nouveau avec Mohamed El Arouche. Avec De Gors. A vu De Gors, avec El Arouche. Allez, on a du mal à revenir, hein, côté Troyen. Allez, De Gors de nouveau, El Arouche. Ah, il a perdu le ballon, c'est assez rare.